Ok les gars, c'est le départ à partir de William Day. J'ai de la difficulté à parler parce que les jeunes m'ont tellement bourré de bonne nourriture. Hey, attends, je viens de voir le... Il y a une vue du barrage par ici. Waouh! Il y a un moment, je retourne un peu en arrière. Ouais, l'eau là-bas. C'est le barrage de la zone qui alimente la ville en électricité. Je sais pas si vous voyez ça. Ça alors, c'est une bonne vue par ici. C'est très joli, hein. Waouh, quel paysage. Non, il faut absolument qu'ils construisent une voie par ici. C'est très beau. C'est très très beau. Donc comme je le disais, les jeunes m'ont très bien accueilli, m'ont fait à manger, m'ont fait à boire du bon tchouk. Et désolé pour ceux que ça va choquer, mais ils m'ont offert de la bonne viande de chien. C'est la tradition ici. Ça donne la force selon eux. Ça donne la force. Donc j'ai mangé de la viande de chien, très bien faite. Et j'ai bu du bon tchoukoutou. Et ils m'ont donné de l'eau. J'ai pu me rincer les pieds. C'est tout propre maintenant. Moment. Là. J'ai pu me rincer les pieds, me laver les pieds. Et ils m'ont raconté des histoires. Pour un étranger, franchement, je suis vraiment, vraiment surpris, agréablement surpris par l'hospitalité. Donc là, je suis en train de quitter William Day pour rejoindre la voie principale qu'ils ont construite, qui passe, qui vient de Lhasa Ba, va à Lhasa Ho, passe par Charé et passe par William Day Ba. William Day Ba, je pense pas qu'il y ait un village qui s'appelle comme ça, mais bon, je l'appelle comme ça pour nous situer. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo, on parlait d'une voie. La voie qui était en haut. Je crois que c'est cette voie maintenant que je prends pour descendre. Donc là, il y a deux voies qui vont à William Day. Il y a un contournement qu'on a pris à l'aller. Et là, je crois que c'est l'ancienne voie, la voie principale. Et comme vous pouvez le constater, c'est une voie montagneuse avec un très joli paysage. Très très joli paysage. Et je crois qu'à droite là, au fond se trouve Charé. Il y a un fleuve qui sépare William Day de Charé. Et le fleuve se trouve en bas là. Vous pouvez voir la montagne qui descend là, je crois. Si je me trompe pas. Hein. Si je me trompe pas. Ah! Ok, donc je ne vais pas. Bon, je voulais arrêter la vidéo, mais je crois que c'est une opportunité de vous montrer un peu le paysage et aussi cette voie pour ceux qui sont intéressés à venir à William Day, à l'hôtel. Comme l'ont dit les jeunes, l'hôtel ne s'appelle plus Parc des Princes, mais quelque chose William Day. Je me rappelle juste plus du vrai nom. Ça va être dans la vidéo. Je vais essayer de l'afficher. Donc, on y va. Le tout était bon, hein, je t'assure. Waouh. Je regrette presque de n'avoir pas pris un peu de tchouk avec moi. J'ai une bouteille vide dans la voiture. J'ai complètement oublié. J'aurais dû prendre du bon tchouk de William Day. Des montagnes.
Je crois que je vais passer à droite et redescendre. Ah non, ça c'est une autre voie carrément. Hein. Ah, c'est une autre voie. Je croyais qu'on était revenu à la voie principale, la première voie de Wiyamde. Mais ça c'est une autre voie. Je suis jamais passé par la voie qu'on vient de prendre. Donc je m'étais complètement perdu. Apparemment, il y a deux voies qui mènent à Wiyamde. Celle que je viens de prendre pour descendre. Et celle que je connais, c'est juste un peu devant. Je vais vous le montrer. Le paysage ici. Ah, oh, c'est tellement beau. On y est presque. Et là, voilà, c'est par là on était monté. Vous voyez la voie qui monte là. On était monté par là. Ok, je crois que c'est tout pour celle-ci. J'espère que vous avez aimé. La Causa est une très belle zone à découvrir. Je vous encourage à venir. Et bonne fête à tous les Kabyes. Je crois que c'est la dernière semaine, le dernier jour des luttes aujourd'hui et demain une réjouissance à Pia. Dans la maison, bien dans la résidence d'Enya Singbe, qui clôturera l'événement. Ok, donc ça me fait de la peine d'arrêter la vidéo parce qu'il y a toujours tellement de choses à vous montrer, mais faut qu'on arrête ça. Plein de voitures qui passent, les gens qui rentrent à Kara. Je préfère passer par ici, passer par derrière et rentrer à Kara parce que je n'aime pas trop prendre la voie nationale. Il y a trop de camions. Donc là, nous sommes en train d'arriver à Tchare. Et avec beaucoup de courage, je vais arrêter la vidéo maintenant. Allez, à bientôt.